Expliquer. Il va nous expliquer. Tous les militants du RDPC, tous les militants du SDF, tous les militants, mm-hmm. il n'y aura plus de place pour les avocats et les autres. Donc lesquels, ceux à qui vous interdisez d'entrer. Hier, il y avait personne ici pour nous dire. Ceci est une audience publique. De toute façon, non, l'audience était convoquée pour 10 heures et toutes les audiences sont publiques. Vous n'avez pas le droit d'interdire l'entrée de n'importe laquelle de cette audience publique à qui que ce soit. Non, c'est pas votre audience, monsieur. C'est pas votre audience. Vous n'êtes pas parti à ce procès. Même si vous êtes parti, je ne suis pas sûr que vous parlerez au nom du MRC. Non, je suis même pas en train de parler au nom du MRC. Voilà. Qu'est-ce qu'il advient de ceux qui sont là pour parler au nom du MRC? C'est public ce que vous faites, n'est-ce pas? Je n'enregistre pas, je filme et je transmets aux médias, puisque c'est aux yeux et au-dessus de tout le monde que vous voulez faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc je posais la question. Est-ce que les gens qui ont l'habitude... Non, mais c'est vous qui m'empêchez. Monsieur, c'est vous qui m'empêchez d'entrer. Si je fais un pas en avant et que vous vous écartez, je n'ai pas de problème. Maintenant, moi, je vous explique que j'ai une audience à l'intérieur et je dois y intervenir. Est-ce que j'ai le droit de rentrer? Je vais vous montrer des preuves. Je ne discute pas. Je suis parti de chez lui, il m'a dit qu'il m'a envoyé quelque part sur son courrier. Et j'ai le courrier avec moi. Vous ne répondez pas à ma question. Je dois intervenir à cette audience. Est-ce que vous me permettez de passer, oui ou non? À partir du moment où mes droits sont violés, oui. La seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que mon droit de défendre mon client m'a été retiré. Voilà pourquoi est-ce que je suis là. Non, mais nous avocats, c'est ça. Moi, j'ai...